Oui, c'est vrai que sur cette rencontre, sur cette partie, je pense que le match nul est équitable. De notre côté, on ne méritait pas mieux. On méritait pas mieux parce que voilà, on avait vu deux équipes convalescentes, deux équipes qui n'ont pas osé aller au bout de leur plan de jeu. De notre côté, on a eu beaucoup trop de déchets techniques. On a vraiment manqué de lucidité techniquement, presque dans tous les compartiments, hein, que ce soit pour ses premières relances, et puis ensuite nos attaquants, toucher nos attaquants, et puis trouver le bon geste technique. Il y a eu beaucoup trop de déchets, et puis ça a manqué vraiment de lucidité dans le geste technique. Donc ça, c'est un peu le signe, en effet, des équipes convalescentes comme la nôtre. Et voilà, là, on va se consoler avec ce point et puis avec ce clean sheet. Le regret, c'est peut-être sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, pour avoir peut-être un peu profité d'une petite baisse physique. C'est ça. On avait changé nos trois offensifs pour impulser encore de l'énergie. Et puis je pensais aussi qu'on allait retrouver aussi un petit peu plus de lucidité technique. On a senti qu'il y avait du mieux, mais c'était insuffisant encore pour pouvoir faire plier cette défense niçoise. Donc voilà, la déception, elle est surtout là dans l'ordre technique. Mais David, quelqu'un comme Marshall, par exemple, a montré que c'était possible d'être lucide dans les passes, dans le placement, dans l'engagement. Je pense que tes joueurs sont capables d'être à ce niveau-là, même si elles sont souffrantes, elles sont souffrantes. Quand on voit Marshall, le match qu'il fait dans le contexte, je trouvais que ça avait quand même manqué de lucidité sur cette frappe de 45 mètres, alors qu'Yannata a décalé quand même, non? Oui, je pense qu'il y a non, je pense qu'il y a des meilleurs choix à faire. Alors c'est vrai que je suis peut-être exigeant, mais je connais mes joueurs et je suis convaincu qu'ils peuvent faire de meilleurs choix et techniquement être à un meilleur niveau qu'ils l'ont montré cet après-midi. Ça passe par quoi justement? Il faut s'enlever cette pression-là, tu penses, faut se libérer? Ben, ça passe, oui, ça passe par beaucoup plus de relâchement, par de la prise de responsabilité. On a passé toute la semaine sur nous, sur nos principes de jeu. En aucun cas, on a passé du temps sur l'adversaire. Donc, on est là vraiment pour les mettre en confiance, pour les rassurer et puis pour les encourager. Donc, on veut vraiment que le week-end, ils soient capables, tout simplement, d'être beaucoup plus relâchés qu'ils ne le sont sur ce que l'on a vu, notamment cet après-midi. C'est le troisième match d'affilée sans marquer. Troisième match d'affilée sans marquer. Tu avais changé ton système en mettant qu'un seul attaquant. Le but, c'était d'animer plus les couloirs. Quel était un peu Non, l'objectif, c'était avec tous nos joueurs techniques et puis mettre un petit peu plus de. Ouais, dans le projet technique, mettre un peu plus de joueurs. C'est pour ça qu'il y avait l'idée de mettre Harbour encore en plus avec Moussa et puis Mathieu pour servir Boulaye. Et avoir un jeu un peu moins direct. On s'était aperçu contre Nice que les équipes, quand elles fermaient beaucoup les espaces, c'était important de trouver ces joueurs dans l'interligne. Et c'était l'idée de mettre comment Harbour. Donc j'espérais avoir plus le jeu avec Vallon également. Donc on avait vraiment des joueurs techniques pour prendre le jeu à notre compte. Malheureusement, là, je trouve qu'on a été défaillant là-dessus.